Eh bien salut tout le monde, c'est Shepard et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui envoie de la patate mon ami. Puisqu'il s'agit des 75 frags à MME, alors vais-je arriver ou pas, mais en tout cas, cette vidéo, elle va taper dans le pingouin, quoi, comme on dit. Déjà j'espère qu'elle vous plaira, parce que quand même c'est assez difficile de trouver quoi. Déjà, d'une part, les pigeons qui vont accepter de se faire massacrer pour vous quoi. Donc on passe, déjà je les remercie quand même, je remercie Stefox13, Cyrus. Voilà, je vais remercier mes deux gros jackies, Oli, mon leader PGM ou pas, Soran et Silver, le mec qui ne se connecte jamais. Voilà, donc ça c'est dit, ça c'est fait. Mais non, on peut attaquer le sérieux, le mode PGM quoi. Donc voilà, je suis sur Village, bon ça vous vous en doutez, voilà. Donc si j'ai une chose à vous dire, ce truc, mais c'est un truc de fou quoi, c'est... Si vous voulez tenter ce défi, les gars, d'avoir un cœur solide et de ne pas être cardiaque. Hein. Ah non mais, je vous jure que si vous êtes cardiaque, vous êtes mort en fait. Moi pourquoi, mais je crois que j'ai jamais autant ragé d'une part dans cette partie. Pourquoi? Parce que déjà les mecs ne prenaient pas une balle, ils avaient une fâcheuse tendance à... ils prenaient pas leur balle en fait hein. Bon, peut-être aussi que je visais comme un pied, ce qui changeait un peu tout, voilà. Ça c'est vrai que ça change un peu tout. Ensuite voilà, allez, bon ça je me fais tout le temps prendre par derrière, ce qui fait un peu rager, surtout quand vous jouez votre vie parce que vous voulez arriver à faire ce défi pour que ça plaise à vos abonnés quoi, hein, voilà. Donc voilà, alors allez. Pourquoi il a pas pris? Déjà, une question, première question, pourquoi il ne prend pas peut-on m'expliquer? Pourquoi lui aussi il ne prend pas? Pourquoi bon, mis à part le fait qu'il a la fibre optique, ce qui n'a pas du tout intervenu dans ce combat, non pas du tout, ce qui n'a pas du tout permis de remporter ce défi, non pas du tout. Donc voilà. Donc, j'étais avec eux sur Skype, et écoutez, je crois que vraiment, je stressais mais comme un gros porc, pourquoi? Je leur avais dit au début, les gars, s'il vous plaît, faites le silence, je joue ma vie, alors s'il vous plaît, fermez un peu vos fenêtres, quoi. Et là, je crois que c'est la pire connerie que j'aurais pu dire au monde, quoi. Puisque, sur Skype, c'était un bordel pas possible, en fait. Tout le monde ouvrait sa gueule, en fait. Pour rien du tout, mais pour rien. Et en fait, je crois que j'avais presque l'impression que c'est Jackie qui le faisait exprès. Mais pour rien du tout, vraiment. Alors, vous jouez votre vie, vous faites enchaîner, tout le monde gueule, vous arrivez pas à vous concentrer. Voilà, hein. Puis comme quand on est mauvais, on jette la faute sur les autres. C'est un peu ce que tout le monde fait. Ça le sauve un peu, il se donne bonne conscience. C'est ce que moi aussi j'ai fait aussi. Donc voilà. À ce propos, je tenais à vous dire aussi que les musiques que vous m'avez envoyées, mes amis, j'en ai tellement trop là en fait, j'en ai plus de sang. Donc je vais attendre un peu avant de les mettre. Voilà, donc hein, ça c'est dit, c'est fait. Ensuite, on m'avait dit, alors là je vais en parler, je vais être très sincère avec vous. On m'avait parlé de mon partenariat. Écoutez, quand tu seras partenaire, tu devras supprimer les vidéos où il y a des musiques. Écoutez, bien sûr que non. Pourquoi? Parce que je ne passerai jamais partenaire. Alors là, pourquoi? Simplement pour une raison. Quand je suis venu sur YouTube, j'ai jamais eu l'intention de me faire de l'argent, je m'en ferai jamais, j'en veux pas. Voilà, l'argent gagné en faisant des vidéos, c'est non mérité pour moi. Pourquoi? Je préfère un mec qui, quand vous gagnerez, par exemple, certains youtubeurs bon, qui ont beaucoup d'abonnés gagnent plus que Popin qui, eux, tous les matins se lèvent à 7h du matin pour aller bosser et gagner 3 sous misérables pour vous éduquer. Voilà, je trouve ça un peu injuste. Bon, ne pleurons pas non plus. Ensuite, la raison number one, la uno, pourquoi je fais pas ça? Parce que j'en ai marre que quand vous arrivez sur YouTube de ces fucking pubs. J'en ai marre de la pub Gillette qu'on ne peut pas passer. Surtout quand vous n'avez pas de barbe. Voilà, ça je tenais à vous le dire aussi parce que ça me fait chier quoi. Vous n'avez pas de barbe, la pub Gillette est frustrante. Voilà, parce qu'on vous rappelle tous les jours ça aussi. Ça me fait chier. Et la pub Quixo avec les nudistes qui tout le mois de juillet, toutes les grandes vacances, là m'a saoulé aussi. Je ne sais pas si vous l'avez vu. La pub des nudistes où on a vu tous les nudistes avec Paul, Pierre et Paul là qui sont près du lac à poil. Voilà, ils ne savent pas où mettre leur portefeuille. Ça m'a saoulé aussi. Petit moment de rage contre les pubs YouTube, c'est fait. On se calme, on va arrêter. Voilà, c'est dit, c'est fait. Donc voilà, donc pas de pub, je vous le jure. Hein. Écoutez, si je fais des pubs si je mets des pubs un jour sur ma chaîne, je ferme ma chaîne. C'est dit. À moins que je sois bien sûr vraiment contraint pour. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est dit, c'est fait. Je vous le jure. Écoutez, sur ma chaîne YouTube, sinon je peux la fermer. Ce n'est pas mon but. Alors là, les mecs commencent à prendre et tout. Je me dis, putain, on est bien parti et tout. Les mecs commencent à prendre. Peut-être un retour de la chance en fait. Écoutez, la 3 ennemis, cool. Eh ben non, couteau, ouais, non, la chance n'existe pas avec moi, faut pas rêver non plus. Deux mecs qui ne prennent pas un couteau, bah c'est ça qu'on aime, hein, c'est ça qui est bon quoi. Donc voilà. Alors vraiment, je vais insister là-dessus, mais je les remercie mes potes parce que imaginez-vous le truc quand même, hein. Imaginez-vous le truc. Vous avez des mecs avec vous, mais c'est des sapins de Noël avec des guirlandes qui courent sur la map quoi. Les mecs ils sont visibles comme de fous. En plus, bon, la couleur de peau de la classe qu'on avait là était noire. Bon.
les mecs avec un bouclier, ils sont encore plus visés. Par exemple, s'ils avaient le camouflage de sniper, là, ils auraient été, par exemple, plus cachés et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Les mecs étaient visibles à 500 km à la ronde, quoi. Ça aide pas, quoi, hein. Ça aide pas vraiment. Donc, vraiment, je les remercie de s'être fait... Bon, d'avoir fait les pigeons pour moi, d'avoir fait la cible, quoi. Donc, voilà. Je remercie aussi les ennemis. Alors là, vous allez me dire, pourquoi il remercie les ennemis, là? Il est un peu content, en fait, lui, quoi. Non, pas du tout. Pourquoi? Puisque, en fait... quand, imaginez-vous, hein, vous arrivez dans une partie, vous voyez 5 boucliers anti-émeute. Qu'est-ce que vous faites, hein? Qu'est-ce que vous faites? Et là, ne mentez pas, soyez sincère, je ferai exactement la même chose. Je prendrai des explosifs, du RPG, du C4, de la lance-patate, même si j'en ai pas. Mais sur MW2, j'aurais pris ça. Parce que on a sur MW2, on a tous un casse lance-patate. Et j'aurais bourriné dans le tas, quoi. Voilà. Faut avouer que, voilà. Je vous remercie, franchement, les mecs, ils ont pas fait ça, ils ont été fair-play. Vraiment, ils ont été verblés, même s'ils prenaient pas leurs balles, qui était aussi rageant, hein, mais bon. Donc voilà. Donc là, je pense avoir tout dit. Alors, le gameplay, c'est vrai que c'est la loose, parce que là, je me fais bien péter, en fait. Je me fais bien saucer, quoi. C'est vrai que je me faisais bien saucer. Petit défaut de mes alliés aussi, c'est qu'ils étaient trop éloignés, en fait. Vous l'avez vu, quoi. Allez, ils sont à le bout de la main, plein d'autres. Le problème, c'est que voilà, les ennemis, quand ils s'acharnent sur eux, bah, écoutez, moi, je fais comment? Je fais un peu de la dèche, quoi. Donc, c'est vrai que voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Voilà, là, je commence à être chaud, écoutez, Predator, on a une Predator, début de la victoire, non, ou pas, je ne sais pas, non, pas du tout, on en est vraiment loin. Là, j'envoie mon gros cylindre, petit double, écoutez, là, on est chaud, on est bien patate, quoi, on envoie la patate, un petit sniper imprudent qui tente d'envoyer sa grenade, ou c'est pas grave, c'est normal. Là, Semtex, boum, voilà, H6, alors là, je leur ai dit, venez tous vers la Jeep, on va faire une petite partout près de la Jeep. Pourquoi? Parce que là, H6, il va envoyer de la patate sur tout ce qui vient à la ronde, quoi. Malheureusement, pas bloqué mon Pablo, puisque bah, je sais pas d'où il est sorti des bois, des buissons, et boum, une balle dans la tête, et voilà, c'est réglé. Heureusement, la chisse, il commençait à gérer de la patate. Là, c'est vraiment pas mal. Et mes amis, vous pouvez voir qu'on repasse en tête. En tête, vous voyez bien en tête. Donc voilà, là, on est en tête. On est en tête. Ça ne rigole plus. Donc voilà, mais vais-je gagner? C'est là la peur du mystère, quoi. Donc voilà, je vous en dis pas plus. S'il faut, vais-je perdre ou quoi, on ne sait jamais. Donc voilà. D'ailleurs, je ne sais pas, j'ai eu la chance peut-être que aussi les mecs en face ne rage-quittent pas ou autre. Ça, c'est aussi de la chance, en fait partie. Alors là, je redébloque pour la deuxième fois de la partie. Un Predator, qu'est-ce que je fais? Petit triple kill. Là, on était vraiment chaud. Enfin, j'étais chaud parce que mes alliés étaient juste pour se faire tuer. Là, je débloque la H6. Là, je vous jure que je commence à jouer ma vie, je crois. Comme je l'ai jamais joué. Le cœur, 800 pulsations par minute. Là, vous en pouvez plus. Un deuxième kill. Avec avoir le Pablo, mes amis. Pablo, mes amis. Et là, je commençais vraiment à péter un cap parce que j'avais vraiment envie de gagner. Je commençais à parler à mon Pablo. La situation était vraiment grave parce que pour commencer à parler avec un Pablo dans un jeu, c'est un peu grave quand même. Hein. Légèrement, ça prouve que vous êtes légèrement... Quelques petits dysfonctionnements cérébraux, voilà, hein, c'est sûr. Donc là, on commence à être en tête, mes amis. Je sais pas, des temps de tête, écoutez. Est-ce une victoire? Je ne sais pas. Bon, si je le sais ou pas, parce que quand même, c'est moi qui ai fait la vidéo. Donc voilà. Mais bon, je ne vous en dis pas plus. Là, qu'est-ce que je fais? Je joue ma vie, pam, il a pris ses balles pour une fois dans sa vie. Là, j'en vois un autre. Non, je ne vois personne. Là, oui, je l'ai tué. Oui, d'abord, j'ai eu de la chance d'ailleurs. Les amis, c'est ben, je crois que c'est la victoire quand même, hein. Je crois. Donc mes amis, voilà, je suis pas sûr, quoi. Vas-y, j'y arrive, là, petit drop shot quand je me fais allumer comme un gros porc, parce que l'autre, il mitraille comme un gros Jackie. Donc voilà, quoi. Là, vas-y, arriver. Oui, mes amis. Alors, s'il vous plaît, je vous demande jamais, mais là, mettez un pouce vert. Parce que vraiment ça, j'en ai vu un ou deux sur MW3, et moi, je vous le propose. Là, mes amis, c'est la fin, mes amis. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous fais des gros bisous, quoi. Voilà. Vais-je arriver? Vais-je tuer la personne avec ce prédateur? Eh oui, mes amis. 75 frags à MME. Je sais pas, il est arrivé. En même temps, c'est pas très difficile, je pense. Donc, voilà. J'espère que ça vous aura plu, cette vidéo. Cette petite vidéo bonus, quoi. Enfin, cette vidéo défi. Je vous en ferai plein, mes amis, si ça vous plaît. Je vous en ferai vraiment plein. Donc voilà, je vous dis ciao tout le monde, bonne soirée, bonne nuit, bonne déjeuner, je ne sais pas. Écoutez, faites ce que vous voulez. Je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine, c'était Shepard. Et à une culée bordel, allez, ciao tout le monde. Yeah.